Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, une émission sportive qui sera consacrée au hockey, mais surtout au football. Le football, ce sera avec, premièrement, Julien Gollet, joueur à Terre Sainte. Salut. Bonjour, salut. On a aussi Frédéric Vanna, qui est vice-président au FC Genil Libonien. Salut. Salut. On aura Kurt Hahn, qui est le président du FC Prangin. Salut, ouais, Kurt. Salut, Joël. Et on va commencer avec le hockey sur glace et Laurent Perroton. Salut. Salut. On ne te présente plus. Laurent Perroton, coach du Star Forward. Tu as voulu venir aujourd'hui ici parce que le Star Forward a lancé un partenariat avec le LHC. C'était un peu un objectif pour le club pour continuer de vivre. Continuer de vivre, continuer de grandir et puis permettre aux jeunes de la région de se développer. Quand tu es dans une structure professionnelle, si tu as peu de temps de jeu, ben, tu as du mal à progresser. On progresse en jouant. Et du coup, là, le fait d'avoir cette My Sport League avec un excellent niveau, ça va nous permettre d'accueillir des jeunes joueurs du Lausanne Hockey Club. Comment ça va se passer concrètement? Ces joueurs, il y aura 3-4 joueurs qui vont venir de temps en temps jouer avec le Star Forward, mais qui s'entraînent avec le LHC, c'est ça qui est. Exactement, en licence B, et puis pour la préparation des matchs aussi, on aura l'occasion de les voir à l'entraînement, mais c'est vraiment un tournus, et puis au mérite, et puis ça va être des discussions chaque semaine pour avoir un effectif compétitif. C'était vraiment un partenariat qui était vital pour le Star Forward, pourquoi? Il était vital d'un point de vue sportif, d'un point de vue économique aussi, pour pouvoir développer aussi notre côté marketing. Le fait d'avoir un partenariat avec le plus gros club vaudois en LNA, ça nous permet d'avoir des synergies pour le marketing et ça va nous permettre aussi de grandir au niveau de notre budget. Alors le club, il se porte correctement. Maintenant, il y a ce partenariat qui a donné un grand bol d'air à l'équipe. Comment ça va la préparation? Est-ce que vous avez déjà repris? Oui, on a repris depuis le 1er mai. On a pour l'instant 12 joueurs. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas été conservés dans l'effectif pour des raisons sportives et puis aussi au niveau de la mentalité. On voulait accueillir vraiment les jeunes joueurs avec des joueurs vraiment avec une très bonne mentalité. Ensuite, il y a des joueurs qui ont pas accepté ce partenariat, qui ont voulu partir sous d'autres cieux. Donc voilà, maintenant on doit reconstruire tout ça, il nous manque environ 5 joueurs. Reconstruire après une bonne saison tout de même, comment est-ce qu'on l'analyse avec du recul maintenant cette défaite en quart de finale des play-offs face à Brandis? Complètement logique, on a été en progressant, on s'est qualifié difficilement pour les play-offs, mais on a rempli les objectifs avec la qualification en Coupe Suisse. Et pour une première saison, on était satisfait. Maintenant, il faut reconstruire aussi au niveau du staff. Il y a mon entraîneur assistant qui a signé comme head coach à Villars. On a besoin d'un prépa physique, on a besoin aussi d'un staff médical. Donc, il y a beaucoup de travail en ce moment. Donc, l'objectif sur le court terme, c'est de trouver ces membres du staff qui seront capables de donner ce qu'il faut à l'équipe. Les objectifs, d'un point de vue résultat, est-ce qu'on peut déjà on les a déjà définis pour cette année pour Non, on n'a pas défini parce que l'équipe n'est pas construite, donc il faudra voir aussi. Ça s'est beaucoup renforcé dans les autres équipes, donc on va avoir un début de championnat difficile. Il va falloir, on aura une équipe encore très très jeune, mais on va aller en progressant comme chaque année, et puis surtout stabiliser le Star Forward en My Sport League. Et faire venir des joueurs, notamment en leur disant qu'il y a une grosse échéance, c'est ce match de Coupe de Suisse face à Vienne. Ça sera le 19 septembre à 19h45 aux Eaux Minérales à Morges. Oui. On imagine que c'est un rendez-vous qui est dans le coin de la tête. Oui, c'est un rendez-vous qui est dans le coin de la tête. On avait d'abord joué Lausanne Hockey Club, après Vienne. Et puis maintenant, on rejoue Vienne. On a été en progressant au fur et à mesure des années au niveau des résultats. Donc, il y a des joueurs qui ont de l'expérience par rapport à ça. Donc, on espère faire un exploit. On espère que l'exploit sera fait, sera de taille, mais ça serait vraiment quelque chose d'énorme que de battre une équipe de l'ENA quand on est en My Sports League, qui est le troisième niveau national. Bien sûr, surtout qu'au niveau du hockey sur glace, il y a des profondes différences au niveau des ligues, donc là, ça sera difficile, mais on va se préparer. Pour hockey, tout est réalisable. On l'a vu d'ailleurs dernièrement avec l'équipe de Suisse qui arrivait deuxième de ces championnats du monde à un pénalty. Laurent, toi, tu as vécu l'événement de près, on peut dire. Comment est-ce que tu analyses la performance de l'équipe de Suisse? La performance est excellente, ça s'est joué à 3 cm. Fiala a une cage ouverte et puis n'a pas levé assez le puck. La Suisse aurait pu être championne du monde. L'amalgame, le sélectionneur qui a fait des choix judicieux, l'apport des joueurs NHL, et la mayonnaise a bien pris. Puis durant un tournoi, ça se passe comme ça. Petit à petit, ils ont commencé difficilement, puis ça a été crescendo. Et vraiment, il faut s'appuyer pour le hockey sur glace suisse sur ce résultat. Et les footballeurs qui sont sur ce plateau devraient s'en inspirer. Julien, qu'est-ce que ça t'inspire, la performance de l'équipe de Suisse de hockey? Ah, ce qu'ils ont fait au Mondial, c'est incroyable. Je pense qu'ils n'étaient pas favoris du tout. Déjà, depuis les quarts de finale, c'était des matchs difficiles où ils ne partaient pas favoris. Et puis, ils ont réussi
bah, ils sont passés à 3 cm donc, d'un titre. Donc j'espère que les footballeurs pourront faire aussi bien à la Coupe du Monde. Et le titre, vous, c'est aussi quelque chose que vous pourrez jouer ce week-end. On en reparlera dans la suite de l'émission. Mais on va enchaîner avec vous, Kurt. Vous organisez ce week-end, ce sera dimanche, hein, dimanche 10 au Port des Abériaux, une journée de gala, la journée des 8 ans du club. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui sera proposé au public? Oui, alors d'abord, en fait, ce week-end, c'est le 9. 9 jours, on a la chance pour faire l'écran de foot. C'est la première fois à Prangin qu'on peut avoir l'écran de foot. C'est les joueurs, des petits jeunes de junior F de 7 à 9 ans. Combien d'équipes seront présentes? Il y a 32 équipes et puis aussi il y a 4 groupes. Et puis le système un peu comme la Coupe du Monde, hein, les premiers deux qui vont se qualifier. Et puis c'est quelque chose qui est fabuleux pour Prangin parce que c'est la première fois qu'on peut faire ça. Et puis les jeunes, c'est l'endroit qu'on joue au football aux Impériaux, c'est juste un rêve, parce que c'est tellement beau. – Chaque footballeur, d'ailleurs, je pense, après ce tournoi avec le 9 foot. – C'est incroyable. – Et puis, en ce qui concerne le 80e anniversaire, c'est aussi quelque chose qui est en fait très important, parce que notre comité, on n'est pas seulement deux ans et demi, on est en place, et puis on monte cette structure niveau des juniors, on a quand même presque 250 juniors, on a aussi des équipes féminines. Pour ça, l'ouverture pour le match de gala, c'est une sélection de Versoix contre le FC Prangin. Exactement, il y aura à 11h45 un match d'exhibition féminine. Et puis à 16h, il y aura un match de gala. Ouais. C'est le FC Variété contre le FC Prangin Sport qui joue en 5e ligue. Le FC Variété, il est composé de quoi comme joueur? Bon, alors, c'est tellement intéressant parce que oui, mon entraîneur encore, c'était Rudy Van Flair. Et lui, il connaît quand même, il parle des joueurs, des anciens, de Sion évidemment, avec Luzier, avec Franco Cucinotta. Pour moi, je les connaissais parce que moi, je joue aussi football en Suisse alémanique. Alors là, il y a quand même des joueurs, ça va être assez fabuleux parce qu'il y a par exemple, il y a Gentile et Claudio, c'est un gardien qui va venir, il va dans les buts. Ensuite, on a aussi de Siebenthal, il y a certains joueurs qui ont joué. Ensuite, on a Sébastien Fournier qui va venir. Et puis il y a Bernard Perrier, et puis il y a Coq, Robert Coq, si vous rappelez Coq, qui jouait à Lausanne, l'Hollandais, oui. Que j'aimais bien, le blond. Oui. Qui y allait. Et puis il y a Gilbert Castella, hein, qui était quand même entraîneur de Servette. Et donc, puis, donc des grands noms, est-ce que vous pensez que le FC Prangin Sport peut faire l'exploit? Moi, je trouve, bon, on joue avec une sélection des anciens aussi de FC Prangin. Et puis je pense que ça va être... L'exploit, c'est une chose, mais moi, je trouve, qu'est-ce que je veux voir, c'est la fête, c'est s'amuser, et puis vraiment faire une grande fête contre ces joueurs-là. Une grande fête avec... Colombin va venir aussi, d'ailleurs, hein, le skieur, hein, qui a gagné la Streif, qui était aussi... Et puis lui, il va être là, puis pas mal des Valaisans qui vont descendre. Et puis ça va être une fête pour nous, en tout cas. Moi, j'aime bien organiser des fêtes. Et puis 80 ans, ça, c'est superbe. Donc, il y aura des représentants du foot, mais aussi, bah, justement, on l'aura compris, d'autres sports. Avec aussi une énorme tombola que vous organisez avec de superbes lots. Mais absolument. Alors, là, les lots, hein, dans vraiment la chance qu'on était assez de très bons sponsors. Mm-hmm. La première prise, c'est une voiture à 13 000 francs pour gagner. Puis ensuite, il y a un vélo électrique. Vous gagnez un voyage à Europa Park. Il y a des super prix. Donc tout ça, c'est le dimanche 10 juin à Prangin. Exactement. Est-ce qu'on peut encore venir? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, alors vous pouvez vous inscrire encore pour FC Prangin. Alors voilà, on a le lien qui va s'afficher en bas de l'écran, c'est www.fcprangin-sport.ch. C'est le site sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations de la manifestation et vous pouvez donc vous inscrire pour l'événement, n'est-ce pas, Kurt? Oui, exactement. Et puis une chose que j'aime bien, quand ceux qui me connaissent peut-être... pas, ou ceux qui me connaissent, j'adore la country music. Évidemment, j'ai un duo de country music qui accompagne le dîner avec le repas. Et comme ça, c'est très convivial. Et puis, on va faire la fête. Et puis, j'ai vu qu'il va faire très beau en plus. Et ben, c'est magnifique. Plein de choses prévues pour ce week-end. Absolument. À Prangin, messieurs. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, on va vous demander votre avis sur la Coupe du Monde de football après. On va passer d'abord un petit sujet. Par les deuxième Ligue Inter et puis par les Coupes du Monde. Donc préparez votre favori pour la Coupe du Monde de cette année. Juste avant, donc on regarde le sujet du FC Genolier-Beugnin qui a joué à domicile son dernier match de la saison, donc à domicile. Il a battu le FC Champ 2-1, une victoire qui fait du bien au moral de Genolier-Beugnin. –
Yvan, ce soir c'était un derby contre Échichan. Échichan qui est très bien rentré dans le match. Genelier a bien tenu, vous avez une tactique très claire, les attendre au milieu de terrain et puis jouer sur vos armes avec Julien puis vos ailiers rapides. Ça a bien fonctionné aujourd'hui, 3 points acquis dans la douleur, mais que vous avez acquis, on imagine un entraîneur très fier de l'équipe. Oui, c'est clair, je suis très content. Maintenant, on a entendu souvent qu'Échichan viendrait un petit peu avec son équipe B. Je pense qu'on a vu sur le match d'aujourd'hui qu'un derby, il n'y a jamais d'équipe B. Tout le monde veut gagner. Alors oui, ils étaient très bons dans le jeu, mais peu dangereux en première mi-temps. On voit, c'est pour ça qu'on a décidé de les attendre un petit peu plus bas et de jouer en contre. Puis effectivement, ça a bien marché. Je pense qu'on a des occasions, une de Raphaël Giannatasio, le poteau de Jordi, là à la fin Lorenzo qui doit la décaler à Jules. Donc je pense que c'était le bon plan de jeu. Maintenant, les joueurs ont bien joué le jeu aussi, donc c'était positif. Fier de l'équipe, c'était un match compliqué, une belle équipe en face qui joue bien au ballon. Mais on a su être patient et puis marquer quand il fallait, quoi. On savait qu'ils aimaient toujours partir depuis l'arrière. Donc on a attendu, ils n'étaient pas dangereux. Et du coup, on jouait à nos contres avec Lorenzo et Yannick qui sont très rapides sur le côté, avec l'appui de Julien devant. Donc ça a très très bien fonctionné. Donc fier de nous. On a le couteau sous la gorge. Chaque match, depuis 3-4 matchs, il faut absolument tous les gagner, ma foi, avec plus ou moins de réussite. Mais là, contrairement à ce que certains ont dit, Échichan, ils ne sont pas venus en touriste. D'ailleurs, on voit le nombre de cartons, c'était un match engagé et on a su répondre présent dans les duels. Et puis voilà, victoire, quoi. Ça fait plusieurs années qu'on joue tous ensemble dans cette équipe, donc on a l'habitude quand on est tous au complet. C'est ça. Après, on a l'habitude de jouer et puis c'est clair que c'est plus facile, malgré que Échichan a 2-3 bonnes individualités au milieu. Et puis on a su jouer comme il faut notre jeu, c'était pas facile pour eux. Et puis d'un point de vue personnel, on imagine que tu es fier de ta performance, 2 buts devant le public pour un match très important, ça fait toujours plaisir. Ouais, bah c'est clair, c'est mon rôle d'attaquant, j'essaye en plus d'être pivot de marquer des goals et puis ça réussit pas mal. Les points sont importants, on sait depuis un moment. Maintenant, c'est vrai que là, cette victoire, en sachant en plus le résultat de Payern, était primordial. Et puis maintenant, on peut aller à Valorbe, pas serein, mais avec un peu moins de pression que si on devait à tout prix aller chercher 3 points. Là, avec le fair play qu'on a, normalement, on a un peu d'avance sur eux. Donc, on peut aller chercher un match nul, ce qui n'est pas non plus dans nos gènes. On va aller chercher gagner, mais en tout cas pas perdre le match. Et après, les choses, on les verra, mais c'était un deuxième tour compliqué. Très belle victoire, mais un deuxième tour compliqué. Frédéric Vanna, est-ce qu'on explique ce deuxième tour compliqué pour le GB ? Alors, c'est vrai que tout ce premier tour, on n'était pas bien payé, mais ça a été parfait. Ensuite, il y a évidemment quelques blessures. Il faut surtout dire aussi que ce championnat est exigeant, la deuxième Ligue Inter, on appelle ça la Ligue Amateur, mais la d'amateur à peu près que le nom. C'est ça. Quand on voit que de nombreux, c'est technique, de nombreux joueurs partout dans les autres clubs ont joué plus haut. Les horaires sont très compliqués pour nous. On a le droit de convoquer à 16h le samedi après-midi. Ailleurs, je ne sais pas comment ils font, mais chez nous, des joueurs travaillent. Pour aller à Bulle, à Farvani ou à Colombier, se déplacer à 16h le samedi après-midi, ben effectivement, c'est compliqué. Donc, avec quelques blessures. Et puis, oui, ça s'explique comme ça qu'on pouvait. On était troisième à Noël par rapport à ce championnat, on était peut-être assez payé. Le deuxième tour un peu moins, la moyenne va être tenue sur la saison. Justement, maintenant vous êtes à 2 points de la barre de la relégation, 2 points d'avance, donc sur le Stade Payern. Il faudra absolument gagner lors de ce week-end, samedi à Valorbe à 18h, pour être maintenu. Oui, pour assurer ce maintien. Je crois qu'on a déjà battu contre Échichan, on a vu les images. L'équipe est compétitive, c'est les gagneurs. On n'a fait pas un gros pas, mais ils ont fait un match, c'était un match très important. On a pu le gagner, là on va se déplacer à Valorbe, on va aller gagner, on va l'assurer ce maintien. Et je crois que les joueurs ont montré qu'ils voulaient se maintenir, le comité aussi. Ouais, le maintien, ça va le faire.
C'était l'objectif du club. Est-ce qu'on peut dire que dans cette deuxième Ligue Inter, Jeune Bénin est un peu une équipe à part, une équipe différente des autres? À part, oui, parce qu'on y voit qu'il y a de nombreux joueurs qui ont joué plus haut, ça s'entraîne 3-4 fois par semaine, il y a des défrayements. Chez nous, ben, ça n'existe pas. C'est la très très grande majorité, 90%, c'est des joueurs issus du club qui jouent ensemble depuis plusieurs années. On n'est pas non plus habitué, ça fait plusieurs années qu'on flambe, qu'on est en haut. Cette année, c'est plus dur, on doit réapprendre à cravacher ou avoir des résultats qui ne suivent pas, perdre des fois 2 matchs de suite, 3 matchs de suite. Ça ne nous était pas arrivé depuis de nombreuses années, mais on le savait, le championnat exigeant. C'est vrai que Jeunet Bénin s'entraîne 2 fois par semaine ? 3, 2,5, c'est 3, ouais. On essaye, mais c'est vrai que le nombre de joueurs étudient, travaillent. Puis on voulait garder ses bases quoi, pour rester dans ce qui a fait toujours notre force, qui a toujours été, s'entraîner 2 fois l'année passée. J'étais au match et l'entraîneur m'a dit qu'il ne fallait pas prendre trop de cartons. C'est aussi le cas pour Terre Sainte, ça permettra de faire la transition. Messieurs, il y a un classement fair play qui s'effectue au sein de la deuxième Ligue Inter qui est aussi hyper important parce que ben, si on est au même nombre de points, c'est le classement fair play qui va départager les deux équipes. Exactement, c'est plus le goal average comme on l'a vu par le passé. Donc cette année, ça nous convient bien puisque si c'était le goal average, on serait deuxième et puis là, on est premier du coup. Donc. Tant mieux pour nous pour cette année. Ouais, on va préciser la situation de l'US Terre Sainte. Vous étiez deuxième à la fin du premier tour, mais vous aviez 10 points de retard sur l'équipe de Chénois. Et là, ces 10 points, ils ont disparu. Vous êtes à égalité de points à une journée de la fin du championnat. Magnifique deuxième tour pour l'équipe. Deuxième tour fantastique. On ne pensait pas, c'était presque inespéré. Donc on a pris match après match, on a pratiquement tout gagné. Et puis on a pris la tête. Ce mardi, donc on était encore deuxième avant le match, et puis là maintenant on est premier avant le dernier match. Et ce dernier match, pour finir en apothéose, il faudra très certainement gagner. Hein, tu me disais, parce que Chénois a de grandes chances de gagner de son côté, et l'équipe de Terre Sainte ira jouer à Monté, qui est troisième du classement. Exactement. Il faudra gagner sans prendre 30 cartons. Exactement, bah, comme on l'a eu ces 3 derniers matchs, il faudra gagner et pas prendre de carton jaune, et puis si c'est le cas, on sera champion, donc ça serait magnifique. Remonter en première ligue, c'était un objectif de l'équipe ou après ce premier tour, on disait que bon, bah, tant pis, on va faire une belle saison, puis on verra. Oui, c'est un objectif. Pour nous, les joueurs, c'était un objectif. On a envie de jouer plus haut. Pour le coach, le comité aussi. Après, on a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés en début d'année. On ne savait pas si ça pourrait se faire tout de suite la première année. Et puis là, maintenant, on y est. Donc tant mieux et c'est un objectif pour tout le monde. Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe au deuxième tour? Pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché? Bon, déjà, par rapport au premier tour, défensivement, on est bien meilleur. On prend très peu de buts. Et puis, on a beaucoup de jeunes joueurs. Puis, je pense que l'équipe a aussi mûri avec le deuxième tour. On aborde mieux les matchs. Quand il y a des moments difficiles, on baissait la tête un peu par le passé et on ne revenait pas. Maintenant, voilà, on prend les choses de l'avant. On arrive à réagir. On arrive à marquer souvent aussi en premier, ce qui nous fait beaucoup de bien. Donc, à la fois l'aspect défensif, je pense, et puis à la fois l'aspect aussi plus humain. Solidarité, il y a vraiment un bon état d'esprit dans cette équipe. L'état d'esprit, on le sait, c'est hyper important dans tous les sports qu'on fait. Frédéric, cette équipe de Terre Sainte, est-ce que tu la voyais capable d'aller chercher cette promotion en tout cas Non, à Noël, alors sans suivre le groupe, je ne vois, mais on voyait bien que Chénois flambait en tête, il y avait 10 points, comme je dis. Ça paraît énorme, insurmontable, c'est qu'un encouragement pour tous, quoi, ces fameuses remontadas. Ils sont en train de la réussir, ce qui paraît c'est incroyable, et puis tant mieux. Si Terre Sainte y arrive, c'est bien pour la région, c'est bien, je compte pour Terre Sainte. Qu'ils arrivent à être promus, ils y étaient en première ligue, s'ils peuvent y retourner, je crois que c'est bien. Toute la région sera contente. C'est tout ce qu'on espère en tout cas pour Terre Sainte. Et moi j'espère aussi que l'équipe de Suisse à la Coupe du Monde parviendra à faire un aussi bel exploit que vous. Quels sont vos favoris pour la Coupe du Monde? On va peut-être commencer avec Kurt, toi qui as le temps de réfléchir. Déjà, pour qui est-ce que tu es? Puis qui est-ce que tu vois remporter cette Coupe du Monde 2018? Bon, moi je vois, par exemple, moi je vois l'Espagne. Je trouve des jeunes joueurs qui sont intronisés. Quand j'ai vu même le match qu'on a vu contre la Suisse, c'est quand même assez incroyable. Et puis après, évidemment, tout le monde va au Brésil. Vous voyez, Neymar, il est revenu, on a vu que ce qu'il a fait. C'est quand même quelque chose qui est une impulsion pour toute l'équipe du Brésil quand il est présent. Les Allemands... il ne faut jamais les oublier, parce que les Allemands, ils ont une mentalité qui est simplement dans les compétitions, sont tout simplement assez incroyable. Et puis après, la France. Moi, je trouve la France, ils ont des joueurs, des jeunes joueurs qui sont tout simplement incroyables. Si l'amalgame des jeunes joueurs qui prend avec, avec,
avec Dembélé qui est à Barcelone. Et puis, et tout ça, quand on les voit jouer, ils ont un réservoir qui est tout simplement impressionnant. On l'aura compris, hein. Courte qui ne se mouille pas trop, donc il y a 4 ou 5 favoris pour Courte. Est-ce que quelqu'un a un favori Julien, un favori un peu plus précis? La Suisse. Même si, voilà, ça va être très difficile pour… mais je pense qu'ils ont une équipe pour faire un beau parcours. Après, pour gagner le titre, c'est vrai que c'est très ouvert. Quoi. Mais on ne sait jamais, il y aura un premier match contre le Brésil qui sera très important. Et que si la Suisse gère comme en 2010 et qu'elle gère mieux la suite de parcours, ouais, ça peut être très intéressant, effectivement. Frédéric, un favori pour la Coupe du Monde? Je crois que Courte a donné plus ou moins les grands classiques. Mais hein, si on voulait en choisir un. J'aurais voulu dire l'Italie, ça sera pas cette année. Choisir un, c'est j'espère une surprise. Au moins, au stade de demi-finale, j'aimerais bien, comme il y a souvent. Tu vois une équipe qui un pays qu'on n'attend pas du tout. Non, c'est la Suisse, un magnifique parcours, peut-être, une fois. Que ça soit la surprise de ce mondial. À chaque mondial, il y en a une, ça pourrait peut-être l'année de la Suisse. On l'espère. Laurent, est-ce que toi qui connais peut-être un petit peu moins bien le foot que ces spécialistes, est-ce que tu as un avis aussi? J'ai un fils qui fait du foot, donc du coup, il est né à Nice, donc il est pour la France, mais c'est vrai que la France a une belle équipe. Après, le football suisse a beaucoup progressé ces dernières années. C'est toujours joué à pas grand-chose. Peut-être que c'est l'année où il au moins arriver en quart, voire en demi. Ça serait bien pour le pays. Puis ça donnerait une bonne image du sport collectif comme le hockey sur glace l'a fait. Donc, pourquoi pas. Donc la France, la Suisse, Courte, un pays du coup? Ouais, je dirais… Non, je dirais le Brésil. Hein. Le Brésil et… L'Allemagne. Et moi, je vais dire… Une petite surprise. Allez, comme tout spécialiste, moi je vais dire la Belgique, on ne sait jamais, ils ont aussi une belle équipe. On se mouille un petit peu, on aime bien ça chez NRTV. Voilà, exactement. Merci, merci beaucoup messieurs pour cette émission sportive. Merci à toi. Quant à nous, merci Joël. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive et ce sera pour le début de la Coupe du Monde jeudi prochain. Ciao.